Bienvenue sur la chaîne DM Gaming. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur Pokémon Duel. Voilà, je l'ai eu. Sauf que je l'ai eu en APK. Donc voilà, donc, je vous mettrai sûrement un lien pour le télécharger. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce jeu qui est vraiment super. Mais super cool. Mais pas en APK. Enfin, pour l'instant. Voici le shop. Donc, le jeu est en anglais. Ce qui est strictement normal. Où l'on peut échanger des booster, des plein de choses, voilà. Donc on va dire que c'est style Clash Royale. C'est style Clash Royale parce que nous avons un jeu du style Clash Royale. Nous avons le truc local booster, c'est il faut ramasser 10 clés par combat, ce qui ferait 3 couronnes sur Clash Royale. Et si on perd, on gagne quand même une couronne à chaque fois. Donc on aura toujours une chance d'avoir un truc. Voilà un petit peu pour les combats, on va voir tout de suite. Donc ça va bien se connecting. Voilà, donc ça cherche un opposant dans tous les pays Voilà, donc il a trouvé une personne qui est à peu près dans le même truc que nous. Hein. On est d'accord, 100 et 898, c'est dans le même cadre. Dans le même cadre, exactement. Donc allez, on rentre sur le plateau. Donc le but de ce jeu est donc de placer un pion. Par exemple, Pikachu. On regarde là, et puis il y a les forces et tout, vous voyez. Et de le déplacer sur un des côtés qui clignote. Par exemple, on va le déplacer là, pour l'instant. Lui va déplacer un autre pion, donc de ce côté là, où il veut. Et on va en déplacer un autre, et on va essayer de le placer, par exemple ici. Comme ça, nos Pokémon vont se battre. Regardez. Bulbiza, voilà. Voilà, donc, on peut donc... Voilà, là l'opposant va peut-être déclarer combat, non, nous pouvons déclarer combat, voilà, donc là on va avoir donc une roue et on va choisir, voilà, on va s'est fait battre, donc le Pokémon qui s'est fait battre va là, et donc on peut plus le jouer, celui-là. Voilà, on va le mettre là, le Pikachu. Et donc on voit toutes les cases qu'on peut les déplacer. Hein. On voit bien. Hop. Voilà. On peut les déplacer trois cases, de quelle case on veut. Voilà, on va regarder tout de suite. Il va jouer. Et donc il va se mettre de l'autre côté. Nous, on va voilà, le mettre là. Ça peut faire bien. Et là, il peut déclarer combat. On va voir ce qu'il fait, vite fait. Donc on va faire carapuce. Voilà. Et là, ils vont se battre. Et voilà. Donc il a résisté à l'attaque. Voilà, on va le redéplacer de ce côté-là pour bloquer les autres adversaires. Voilà, on va essayer, il faut attraper en fait le point rouge qui est en face pour pouvoir gagner. Allez, donc là, il faut qu'on gagne. Et voilà, j'ai gagné. Et là, il ne peut plus le jouer. Donc, c'est toujours à moi et moi je peux décider de le mettre là, non, de le mettre juste là. On peut pas le mettre encore sur le truc. Lui va peut-être décider de combattre, non, même pas. Et voilà, j'ai gagné. Il n'a pas défendu sa base et j'ai dû, voilà, c'est donc gagné.
qui n'a pas défendu sa base. Et donc, s'il aurait défendu sa base, je ne l'aurais pas pris, bien évidemment. Donc, c'est comme sur Clash Royale, nous gagnons des XP, des clés fragments, donc 3 clés, on gagne, Key Fragment, League Promotion, donc In 600, Time Booster, White, donc coffre en argent. Voilà. Voilà. Et donc, celui-là, il va être ouvert et il va mettre... Donc, 1 minute. Voilà. Donc, dans 1 minute, le coffre sera débloqué. On a gagné 3 trucs pour le coffre. 3 clés pour le coffre qui est encore bloqué. Là, on peut faire notre deck. Regardez. Voilà. Donc, on peut éditer notre deck. Voilà. Donc, j'ai mis Pikachu et tout ça. Ça peut être pas mal. Mais on peut éditer les figurines. Et donc, changer. Par exemple, mettre celui-là à la place de celui-là. Et celui-là. Et celui-là, à la place de celui-là, par exemple. Voilà. Voilà. Ça va nous redonner notre deck. Voilà. Donc, là, on a les ligues, le début, où on va trouver nos Pokémon de notre deck. Voilà. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Je suis content d'avoir ce jeu. Vous verrez, c'est super bien. Je vous mettrai sûrement un lien de l'APK dans la description. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Ciao.